La société, comment nous y est? Quand on avait un jeudi à une nouvelle émission sur mes 5 nouvelles blessés, faut pas une nouvelle. Écoutez que nous toujours dit ça sur tous les médias que nous faisons des émissions sérieux pour nous analyser, pour nous aider à comprendre très bien et puis garder avec un ensemble d'acteurs qui comprennent son paillot, qui est le paillot de crise, bon, de sa paye qu'on est là de crise ça, et crise pluridimensionnelle qui a un aspect avec question insécurité, question politique, question humanitaire, question, un ensemble de crises que nous avons dit que nous n'avons crise sans pareil, mais est-ce que pas un groupe femme à garçon qui peut-être dit être que yo veut que ça change et apprendre de disposition pour ça changer. Nous allons regarder ça. Ici là dans mes sacs nouvelles à blesser faut pas une nouvelle. Nous pas faire promotion ici là pour nèg qui des amis légal là. Ça n'est les bandits yo. Et m'a dit que c'est des opprimés mal orientés selon pour m'a cité Arnel Bélizier ancien député de Matabar. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que nous estimons que on est qui des amis légal là mais et m'a dit non non, m'a dit pas aller qu'un côté avec non. Mais depuis n'a des amis légal là mais attendre que c'est comme si c'est un chien qui a mordé en traite, n'importe l'est capable virer contre le 4 camando. Mais nous comprenons que tout je n'a fait pays, je n'a fait société ensemble de jeunes garçons ça qui des amis dans main, peut-être de monde porter au bayou, soit de et communauté internationale, secteur privé ça lié à porter bayou. Et qui peut-être qui dit tu t'as voulu remettre ça ça yo. Tu as voulu quitter question métier ça, mais qui dit tout la mort ou la vie, ça veut dire qu'on est font choix. Mais de là étant, nous a dit que yo c'est des éléments qui tellement et déranger ça gain là comme problème parce que nous avons depuis 29 février une crise en un pays et qui est-ce qui crée c'est nèg examen qui se cause occasionnelle mais qui déclenche ça mais il y avait des causes fondamentales et des causes profondes qui cause que n'a enduré ça depuis jeudi en pas oublier une classe politique traditionnelle depuis après 86 qui mène nous continuer là malgré un pile critique dénonciation faite de yo mais aussi toujours laisser même qui bout toujours au pouvoir nous va regarder ça et en même temps n'a dit que m'bral bay désir gagné m'a tendé une note vocale deux notes vocales avant même moi c'est invité moi choisi pas jouer yo mais c'est comme quoi pas jouer pas veut dire que m'pa font petit parenthèse sur lui c'est barbecue avec on est comme je connais des événements Jean Sami Santi on doit oublier non monsieur voilà m'a tendé comme si barbecue cap dit parce que moi même moi dit que ça nèg et vivant ça m'a fait là m'pa connais si révolution comme on relé mais cette histoire boule pharmacie ti pharmacie malheureuse boule ensemble des bagailles moi elle quitter face que son révolution à parler parce que ou pas qu'à faire révolution c'est même monde qui dans même classe avant qui a dégagé c'est même encore qu'a payer contre casser alors ce que tu dis ou va virer zam nan sous bouche monde et monde qui te bon zam yo ou va craser système et puis c'est monde qui va pas manger en fait ça mais c'est comprendre moi même nèg gon l'autre bagaille derrière tête yo barbecue dit clairement que zam internaute oui que et même les Dessalines là t'es équipe ban nek t'es green même j'avais télévé campé en face de cette histoire moun dit il a fait mal et méchanceté menti parce que je dis hein li croit que fois là il est là et pour qu'arrive côté le besoin et tout le monde qui campé en face que ce révolution ça a fait là c'est pour l'amour il y a tué homme en tout cas pas connait barbecue immortel en tout cas pas connait mais où est que et ça Georges Ali même répond barbecue il dit comme parler signé haïtien qui gagne graine dans d'elle même si j'en dis hein qui gagne graine dans d'elle il y a tout yel et si il baguette a tout yel yo même dans classe par yel barbecue elle est 30 jours pour le capable vivre c'est un ensemble de débats je dis hein qui dit que finalement moi même perdu comme jeune journaliste perdu comme citoyen perdu comme universitaire perdu comme directeur d'opinion dans sa capacité là mais c'est samedi mon rêve et moi mais Haïti moi crois que Haïti je dis hein elle beauté dans cœur et Haïti de changer et le réel changement haïtien des événements comment négé parce que nous allons inviter là sur certes pas ne cap vin bye bye li parle aider nous comprendre très bien ça gain là comme crise électorale de crise des événements comment négé bless invitation dans l'autre fois quand tu rejoins nous dans quatre émission c'est là pour nous venir partager connaissance partager information dans analyse nous avec amis internautes qui branchent tout partout à travers le monde, depuis ces haïtiens, tel que soit côté, ils fait choix pour informer, vie avec mes sacs nouvelles. La situation de sa passé en dedans pays d'Haïti, c'est tout un plan qui chita en dedans un gros projet. Que monsieur apprend pour avancer avec lui, les web bourgeois avec bandits, et apprend pour faire des tacos à contre eux, c'est parce que yon gen intérêt et qui les est. Depuis un bon bout de temps, malheureuse, qui n'en bat la ville ta victime, ou pas de jambes position, nek qui dit yon c'est bourgeois. Et ministère affaires étrangères pays Canada yo fait connait que y a continué travail sans camper pour permettre et aider les citoyens canadiens courir quitter pays a surtout avec situation que y a connait depuis un bon bout de temps en dedans pays a qui menace la vie c'est environ 82 citoyens canadiens qui gagnent quitter pays d'Haïti pour aller en République dominicaine pour capable sauver pour eux suite avec situation
si la blesse personne. Dans ça qui est pour avec dossier justice dans le pays d'Haïti, ancien député pendant trois fois circonscription NRIA, nous voulons parler des anciens présidents chambre députée Charles Echancy qui rejoignent libération et sous l'ordre juge instruction Merlan Bilabre n'a pas rappelé que Charles Echancy te gen non cité dans dossier enquête qui est pour avec un dossier détournement et matériel l'État spécialement dans CNE. Porte-parole Nations Unies Stéphane Duraric pardon, il déclarait que c'est seulement 7% qui ont gagné qui disponible dans l'argent qu'il a besoin pour déploiement force ou bien mission multinationale qui t'a de déployer en dedans pays a, et selon chiffre qui ont avancé c'est 10.8 millions de dollars qui ont gagné qui disponible cependant il y a besoin et 674 millions de dollars pour déploiement mission Sila dans le pays d'Haïti où est presque chaque jour sous ensemble avancé ou après question déploiement force Sila la prend plus temps pour le venir et l'argent qui t'a de faire le venir li poko jam disponible si est pour force ça les personnes ou capable imaginer que moun fait carré a mourir dans le pays d'Haïti nek examio yo semblé souché yo gen bon information pour faire connait par pièce disposition pour, en termes de sécurité quel débat côté la police quel débat côté forces étrangères pas gen rien qu'a pressé fait ces affaires nek yo a prend terrain comme ça ouais même directeur général la police pratiquement li pa gen caille pour rester dans la rue même Jean artiste a te fait chanter et bien nous même malheureux yo pa gen caille pour rester même pied bois yo pa pour y reposer parce que soleil la chaud Ariel passé l'écrasé pays a sous complicité l'Occident et groupe impérialiste qui entendent yo qui mettait une structure politique qui est le groupe c'est eux-mêmes qui on and off qui a fait ça ouvrir dans le pays en plus personne c'est pour ça yo voyez dans CARICOM pour nous laisser nous regarder sept petits présidents avec des monde qui a assisté pour venir ramasser l'argent en dedans pays d'Haïti qui tout pauvre déjà qui pas gagné crédit plus vite et professeur Eslam Raymond et c'est un habitué dans Kailan faut me dire ça bien parce que les monde qui suivent mes sa nouvelles souvent fois yo qu'attendent n'importe deux trois fois le professeur Eslam Raymond mais et c'est parce que nous sommes certains que dans la situation est là nous besoin pas seulement des monde qui dans conseil qui pas pour conseil qui m'a c'est nous même la micro nouvelle pour tout le monde mais nous besoin de monde tout qui gè on dimension qui capable à faire de approche sociologique méthodologique qui aide moun yo comprendre très bien ça gè la comme crise professeur Eslam Raymond son plaisir pour nous avec nous je dis encore on l'autre fois sous ensemble de médias ça yo bonjour bonsoir bonjour bonsoir Blaise bonsoir Désir et bonsoir à toutes compatriotes qui a fait tant de nous, garder nous à travers le monde. Et c'est un plaisir pour me toujours mettre disponible et répondre à l'invitation. Professeur Eslam Raymond, moi c'est que je dis à nous dans situation et insécurité. Bon, là me dit si je dis à mais qui date bien des temps, mais on dit que et par rapport avec de intervalle de 29 février à moment n'a parlé en là, on dit face à l'très senti du, c'est m'a dit l'ambo haïtien et tout secteur toute couche presque touchée dans question ça, on même comme d'abord un citoyen et comme un acteur comme professeur à l'université et qui compréhension que l'étude gagne de ça. Bon, songez dans dernière interview que nous te gagné. Moi te dou ça gagne là, c'est tout un plan qui a pu exécuter et dans plan gagne en pile projet. Donc et nous t'a parlé de Ariel, mm-hmm. Ou elle a 29 jours là, ou elle a un mois là presque, hein, depuis yo évacué Ariel. Et au son je me t'ai dit, Ariel va être évacué. Ce son j'ai bien ça me t'ai dit. Nous songez ça. Donc, je me t'ai dit que yo pral humilier, il pral tomber dans la poubelle de l'histoire. Mm-hmm. Au son j'ai. Donc, je te demande, est-ce qu'il faut le démissionner? Il me dit non, il n'y a pas qu'à démissionner. Parce que il n'est pas maître de lui-même, il n'est pas maître de son destin. Donc, c'est un esclave. Il n'est pas même capable de prendre un revolver pour longer la tête pour travailler tête non cartouche. Donc, seul dépend de maître lui, de monde qui te mette lio. Donc, et nous dépassons Chris là, il dit ça, nous n'avons chaos parce que. C'est vrai, Jean Tabdia, la crise est multidimensionnelle, multiforme, mais nous dépassons la crise parce qu'on peut résoudre nos crises, que ce soit crise économique, crise politique,
crise sociale, crise financière, et n'importe qui crise qu'on capable de résoudre depuis où c'est une crise là, et que ou évaluer li, ou fait diagnostic li, ou poser problématique yo, et puis ou aller chercher qui solution pour capable de résoudre yo. Mais je dis à nan soir et là on en carreau, ou rive nan dernier bout là, qui fait que ou non situation de non-état aujourd'hui. L'état d'Haïti n'existe pas, l'état est effondré, c'est pourquoi nous sommes pleins dans l'anarchie. Donc là ou pas gen référence institutionnelle, ou pas gen référence légale, eh bien ou dans l'anarchie, c'est anarchie qui règle aujourd'hui. Hein? Parce que si l'état a existé, eh bien ou t'a gen toute institution yo qui était debout. Si l'état a existé, ou t'a gagné force de l'ordre, parce que l'état dans sa puissance républicaine, l'état dans sa puissance de la souveraineté nationale détient le monopole de la violence. Mais l'organe de violence là, c'est pas l'état qui a fait, c'est l'autre groupe qui décide qu'a fait, qui prend place l'état. Ça veut dire que l'état pas existé. Donc ça n'a pas vivre aujourd'hui, hein, et n'ta capable dire on a une zone de d'élimination, hein, on a une zone d'élimination, il y a éliminé n'ta capable dire classe politique ça au gain là, parce qu'il est pas capable. Il a éliminé classe économique qu'on gagne là, il est pas capable. Il a éliminé tout ce gain comme leadership qu'il a, qui pendant ces 38 dernières années, 38 ans, c'est presque 4 décennies. Donc on gagne même moun yo qui a fonctionné dans même paradigme, qui n'a même ordre là, qui n'a même système là. Donc il est pas capable de changer de paradigme, faut être très intelligent. Et au son j'ai une émission nous t'ai fait, nous t'ai fait appel à l'intelligence politique. Moun qui dit yo c'est acteur yo, c'est seul gens pour être capable sauver tête yo et sauver pays ya. Mais malheureusement, yo pas montré capacité ça, yo inintelligent, et ouais que yo prend un piège que yo mette pour yo. L'aime dit yo a, alors m'pa vle dit communauté internationale, parce que l'on dit communauté nationale, ou mette continent africain là-dedans li, ou mette l'Asie là-dedans li, ou mette tout le monde là-dedans là, parce que yo même yo pas dans ça qui là. Donc c'est des puissances occidentales qui mettent nous dans ça, et ceci depuis existence nous comme peuple, yo pas jamais pardonné Haïti. Parce que Haïti commet une infraction. Haïti commet un désordre mondial en 1803, après 300 ans d'esclavage, 1503-1803, eh bien, il a décidé de casser règles, qui c'est principe ordre mondial époque là, qui était chita sur le colonialisme. Le système esclavagiste comme règle que l'Occident, pays occidental, a établi, c'est l'exploitation l'homme par l'homme par l'homme, c'est utiliser l'homme pour travailler pour yo, mais comme animaux, et puis yo même pour faire richesse yo, c'était ça le théâtre. Et bien c'est Haïti qui yo même comme des esclaves côté au sorti al pour peuple pas trouver là sous bout de ça, parce que faut nous dire en passant, en 1492, colons yo débarqué là, yo prend espace sacré là, te gen moun ki t'a vive là dans lui, mais pas nous même ki t'a vive là dedans, parce que yo pas de quoi aller chez nous. Donc moun sa yo te rele yo les aborigènes, les bohémiens, les kiskeyens, les taïnos. Bon, globalement yo rele yo les indiens. Donc ce qui fait que là yo prend espace là, yo vini pour yo mettre système esclavagiste là, eh bien moun sa ou t'ap vive sous terre, yo te gen une vie particulière, yo te vive tant qu'ange, yo te en contact direct avec la nature, yo te gen mode de vie yo,
yo te gen mode de gouvernance territoriale yo. Ou songe, yo te gen le royaume, les caciques, etc. Yo gen jan, yo fonctionne. Yo te gen jan, yo te comprendre la nature. Yo gen jan, yo te vive avec espace territorial ki yo tap vive la. Que ça soit du point de vue spatial, que ça soit du point de vue physique, que ça soit du point de vue territorial, que ça soit du point de vue sociologique, que ça soit du point de vue anthropologique, du point de vue mystique, gen jan yo te vive et gen jan yo te organise territoire. Donc ce qui fait que les a vinn mete yo nan bagay ça, yo pa comprendre ça, yo te résisté. Comme yo te résisté, eh bien yo tué en pile là-dedans yo évacué, yo fait au courir prendre la mer, etc. Et jusqu'à ce que yo éliminé pendant 7 ans hein, de 1503 à 1510, 7 ans yo éliminé systématiquement moun ki t'a viv nan espace yo parce que pou yo te ka pran. Songe, lè yo débarqué là, yo di là semblé avec petite Espagne. Si vous voyez que relé l'Hispaniola. OK? Et yo te rele li la perle des Antilles, le joyau de l'île. Donc c'était extraordinaire. Et pas oublier là où installé yo tête yo là, yo fin éliminer les terroirs, yo éliminer aborigènes yo, eh bien yo prend espace là. Eh bien, là yo vini avec toute colon qui vient là pour travail, d'ailleurs chercher nous un peu partout en Afrique et pour venir mettre là chaîne nan pied nous yo vini là donc yo prend terre et puis y a travail yo mettez nous comme travail et comme travail pour yo oui donc ce qui fait que donc pas oublier en 1791 premier soulèvement esclave pas pral fait et bien esclave yo commencé soulever yo commencé comprendre que c'est moun yo ye yo c'est ça. OK? Et bon, pral wè, environ 10 ans et 11 ans après, et bien finalement, il va libérer et tout ça, et bien il va goumer avec les colons, et bien il va mettre en déroute, et bien l'armée indigène ral mettre en déroute l'armée Napoléon Bonaparte là, qui c'était la puissance mondiale, la plus grande armée du monde de l'époque, hein. Et finalement, yo flanque de yo sou bout de ça et yo gagne bataille là et puis yo déclaré non seulement la liberté des esclaves, c'est pas seulement non, yo libéré le monde, l'humanité du joug du système de l'esclavage. Parce que pas oublier, les Dessalines déclaré et l'indépendance, les déclaré l'élimination de l'esclave, il dit que l'esclavage est aboli. Point. C'est-à-dire sur tout le territoire de l'humanité. Okay. Et il dit que quel que soit moun qui sous la terre, qui côté yo y a vive là dans quelques coins recoins le confins du monde. Eh ben, yo senti que yo en esclavage, eh ben depuis yo capable fond, yo rentré sous bout de terre ça, yo libre. Libre, yo c'est haïtien. Et yo établi la liberté, professeur, comme règle de vie. Professeur, oui. Si vous permettez-moi pour nous garder ça, un tel rappel de l'histoire qu'on soit fait là, et pour que ce soit un tel rappel de l'histoire, est-ce que nous, de côté là, je ne veux dire, nous qu'à contextualiser ou bien soit le parallèle, soit le comparatif de rappel ça qu'on a fait là pour nous arriver à ça, la vie, je ne veux dire. Est-ce que c'est toute l'histoire ça yo, qui mettait 60 d'acababrélé, soit sous une dépendance ou bien une indépendance maquillée, et selon même professeur, Islam Raymond? Eh bien, transition ça est très fondamental parce que écoutez, et tout peuple qui vive, tout peuple qui était debout, tout peuple qui était qui cap garder espace côté où il y a, qui fait fier comme peuple pour vivre avec histoire, yo pas abandonner histoire. OK? Donc on peuple qui oublie histoire. Et mais son peuple qui mourit. OK. Donc faut toujours songer qu'on est sorti et gens existaient comme peuple. Donc ce qui fait que c'est un coup d'a dit jodi
en pile monde qui là yo, que ça soit monde qui relait tête yo intellectuel et homme politique, société civile. Bon, on va pas parler de monde économique yo, parce qu'on connaît que c'est des monde qui sans histoire, parce que yo sur côté yo sorti, yo vinn là grâce à la liberté que les ancêtres nous ont créé. Yo yo tenait esclavage la caillou, yo débarqué là, yo vinn chercher Timo sur la liberté. Eh bien, comme yo même c'est des métissoyé, yo des moun à couleur, eh bien, yo prend économie en d'assaut, eh bien, qui fait que yo vinn gon comportement de colon par rapport aux haïtiens, par rapport au fils de Dessalines, au fils de Capois la Mort, au fils d'Henri Christophe, etc. Donc, qui fait que yo pral servi comme courroie de transmission entre colonisateurs yo, et yo même qui là, n'ta capable dire contre nous-mêmes parce que yo pa jamblé wè nous. Et songez en 1806 qui ça yo fait. Yo utiliser même moun ki nan espace là yo là pour yo capable craser révolution haïtienne nan lè yo exécuter de manière sauvage et brutale l'empereur et Jean-Jacques Dessalines. OK. Yo exécuté parce que te considéré comme un sauvage. Et lè on fin exécuter loi ki ça fait, yo permettre que pour éliminer l'empire qu'elle t'a créé. L'État de Saline créé, c'était un empire qu'elle t'a créé comme État. Il n'a pas créé une république. Parce que l'empire là, il n'est pas seulement une dimension économique, et dimension de l'État, il y a une dimension territoriale très large. Et aussi, il y a une dimension spirituelle. Et pas oublier, c'était face à et Napoléon et Bonaparte qu'il créait empire là pour le faire tête lui empereur. Donc qui fait que et ensuite on pral ouais puis devant yo pral éliminer drapeau de Saline te créé comme le drapeau de l'indépendance et le drapeau noir et rouge et qu'il créait en 1805 dans la constitution impériale. Et vous pouvez voir que monsieur a éliminé le drapeau ça. C'est pas seulement noir et rouge là, non, comme symbole du sang et du noir de la loi, etc. Mais regardez l'effigie que tu mets dans le drapeau. C'est deux lions, hein? Deux lions, face à face, qui levaient pieds, et puis deux pieds, yo, kembe et couronne impériale là. Et au milieu de ces deux lions, gon et en dedans on a une qualité qui chante debout. C'est extraordinaire. Et c'est ça qu'on a comme effigie. Pour professeur Eslom Raymond, il était toujours bon pour nous faire bel rappel de l'histoire, parce que il était vraiment, parce que pas oublier rappel ça n'a fait là yo, l'a aidé et mon capitaine de la cap garder nous là yo, et comprendre qui est-ce qui est peuple haïtien, qui est-ce qui est haïtien et origine côté une sortie, et pour permettre que mon yo cap comprendre que je dis, hein, et si je dans qu'a quitter ensemble de pays, ensemble de tisiler là qui pas même l'histoire de pas même l'histoire, et c'est au même cap venir passer nous de dicter de notre là, il était toujours bon pour faire rappel ça. Mais qu'on a regardé avec m'a permettre que collaborateur Desi Venès pour nous entrer dans actualité à qui il y a peut-être qui je dis hein, bah c'est que en plus nous t'arrêter m'entendre et professeur Eslom Raymond n'est comme acteur politique qui est pour avec question et CARICOM conseil acteur politique yo Desi Venès même qui doit aborder point ça avec docteur Eslom Raymond pour permettre que les amis capable vraiment épuiser autant de d'intervention de la professeur Eslom Raymond. Très bien, Blaise, très bien, professeur Eslom Raymond. Nous comptons l'autre fois pour nous à coup. Et l'hier d'histoire, ça y a pratiquement servi. Et pour m'aller directement dans ça qui vient pour avec l'actualité, est-ce que nous avons considéré la bataille qu'a fait entre plusieurs équipes, je dis, parce que dans le retour vers l'histoire que vous avez fait avec nous là, vous montrez une bataille, maître, esclave, sans doute il y a des commandeurs. Est-ce que c'est ça qui a fait sur scène politique là, je dis, hein, qui conduit ensemble à Théo à rejoindre ensemble des petits pays que Haïti était capable, papa, grand-papa, et bah, même aller dans frère,
Je veux dire, c'est eux-mêmes qui ont fait les Haïtiens de l'ordre, ceux qui ont dû diriger le pays qui est indépendant depuis plus passé 220 années sous bataille dans cette nuit. Et tant que vous regardez le 1802, nous avons dit moi, massa, les symboliser et moi de victoire des Haïtiens pratiquement dans le siège que ta pierre ou à petite rivière d'Antibone. Très bien. Alors, femme du tout, gon troisième bagage, en plus de drapeau et en plus de Fijia, ils ont retiré tout. Et le concept que vous établi pour nous, qui c'est liberté ou la mort. L'union fait la force là, et pas pour nous qu'elle y est. C'est Petro qui vient avec. Et l'union, ce n'est pas l'union du peuple haïtien, ou bien l'union des Noirs ensemble avec les mulattes. C'était l'union des mulattes contre les Noirs. Et vous pouvez aller puis devant, vous pouvez retirer en 1816. Et Jean, vous écrit, Jean, en cette note, écrit Haïti. Yo changé. Haïti, c'est H-A-Y-T-I. Et puis, yo ajouté, yo vin retirer Y là, yo mette Itrema. Ça veut dire que c'est haïr le sien. Donc, d'où yo éliminé du point de vue sociologique, du point de vue, ça nous été représenté du point de vue culturel. Et bien, yo ban nou l'autre bagaille et nous entrer là-dedans. Effectivement, c'est même bagarre là. Je dis, à cap continuer ceci depuis toujours. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est un processus pour yo éliminer nous. Jean ouais, t'es fait, bohémien yo, qu'est-ce qui est yo? Pour yo éliminer nous sous bout de ça. Justement, pour yo capable prendre encore. C'est exactement, c'est ça le plan. C'est ça le projet. Mais pour le faire, il faut le faire avec nous encore. Ça veut dire qu'il y a joint de traite, de conseil, de petit con qui là qui a fait job sale là pour yo. Et ouais, ça va parler là. Question de ZAM qui là aujourd'hui, qui n'a même un bon jeune si monsieur. Mais côté au joint ni dans quartier côté orité là. Comment vous faites ZAM ça yo? Yo pas acheter. Mm-hmm. Même munitions ou pas ka acheter. Mais côté zam sa sorti. Mais c'est aux États-Unis zam yo sorti. Qui est-ce qui distribue zam yo? C'est moun ki gen moyen yo, c'est politiciens yo. Yo commencé avec moun ki était député, moun ki était sénateur, lè ou t'ap fè campagne pour te armer moun yo justement pour craser et bureau de vote pour yo, pour ka gen élection plein boîte etc. Mais pour ti monsieur qui était candidat yo qui t'a pas le député sénateur Genzam côté au jeune yo t'es piaté en bout de canson non mais pas rien mais c'est ti monsieur qui dans secteur économique yo qui prend en charge campagne yo qui ba yo moyen qui ba yo zam yo tout. Donc ti monsieur qui dans secteur économique yo pas oublier c'est des contrebandiers yo ce ne sont pas des industriels ce ne sont pas des nationaux yo pas rien pour yo avec Haïti. D'ailleurs, grand-papa yo pas connaît le goût de l'esclavage. Papa yo pas connaît esclavage boy ici là. Donc yo vinn là justement pour prendre économie. Donc ou est-ce que yo pas des producteurs nationaux. Son bon revendeur que yo yé, son bon contrebandier. Mais c'est au gen bateau qui pour porter zam nan. Si vrai que pendant ces 25 dernières années puisque c'est au gain l'état nan men yo ou ay ou fait port privé yo et les fait port là les bateaux yo a rentrer pas gain personne qui capable inspecter l'état pas gain contrôle pour ça yo parce que c'est au que l'état c'est au que mettez directeur douane c'est au que mettez directeur APN c'est au que mettez ministre finance yo assuré yo gain tout compartiment l'état justement pour capable faire des ordres donc qui fait que yo armé tout moun yo mais armé yo contre nous contre Tinek doit sous bouté ça yo dit ça yo dit yo gen l'argent y a armé nous pour nous goumer nous youn avec l'autre pour nous faire autodestruction et yo même pour ka vin à l'aise sous bouté ça parce que c'est été yo te volé c'est pour yo lié donc pour que yo gen seulement les gens de couleur sous lit parce que Haïti réputé comme un espace extrêmement riche il faut dire aux étudiants qui nous écoutent. Là où se situe Haïti, Haïti se trouve au cœur du monde. Haïti, c'est le centre du monde. Mm-hmm.
Haïti, c'est le centre de la lumière. C'est Haïti qui porte la lumière pour tout le monde. Ça dit que l'énergie qui gagne en Haïti sont pas extraordinaires. Donc, qui fait que tout ça Haïti gagne comme ressource dans ce sol lié, eh bien, c'est pas possible pour que tout le monde, nous, ça, yo, qui habite, et puis c'est des pauvres. C'est pas possible. Mm-hmm. Donc, yo, ouais, qui ça, yo, capable de faire avec lui, donc, yo, considère comme réserve, yo. Donc, à ce moment-là, yo, utilisé ces soubrécats-là, contre propre tête, yo, yo, pas qu'à entendre, yo, et pas oublier, il faut dire que le président Roosevelt, en 1937, il dit ça, oui. Il dit que pour être capable de gagner dominance et prédominance sur nèg sa yo, c'est pour faire en sorte yo soulever nèg abo yo, nèg pied à terre contre les gens sa chaussure et dégager yo, mettre division entre nèg à chaussure pour pas jamais entendre yo et yo même y a toujours mettre question. C'est exactement ça que fait là. Donc qui fait que ou pral wè jodi an, bon, la France et fait back, nous pas parler Canada, Canada lui-même son suivi lié parce que Canada par exemple, Canada pas aucune histoire, Canada n'a pas de culture, Canada son colonisé lui-même et on va occuper, il pas c'est suivi les États-Unis. Donc qui fait que c'est américain qui gagne rien question en même. Je dis alors prend CARICOM comme n'a vini dans l'actualité là. L'on prend CARICOM, ça CARICOM. Son bon si pays anglo-saxon, pas vrai, qui trouve dans les Caraïbes là, et qui sont encore des colonies anglaises, et britanniques, etc., et irlandais, département d'outre-mer, etc. Et c'est ça qui fait CARICOM, non? Justement, pour être constitué, on marché ensemble, parce que l'ICE 2, il y a à la fois politique et économique. Puis des fonds marchés, etc., entre eux, et par là, c'est par là, donc politiquement tout, pour que pas ait trop de problèmes entre eux, pour que chef britannique capable toujours jouer une sorte de relation de proximité avec eux, pour pas jamais soulever, pour que pas capable de venir dépendant. Donc, Haïti pas de même ça. Haïti pas gagner pour louer dans ça, non? Okay. Parce que Haïti, souple Haïti, et que ça soit du point de vue territorial, et du point de vue de la population démographique. Mais Haïti plus que tout ça, yo. OK? Et puis, Haïti pas capable de fonder les Nations Unies pour le Takavin Nafek. CARICOM, mon cher. Haïti pas capable de fonder l'OEA pour Haïti qui a trouvé le CARICOM pour le travail comme ça. Haïti est de servir comme maître à penser de ce petit pays. OK? Donc, là, au besoin bagay. Haïti t'a délégué et au monde, Haïti t'a fait formation pour eux, fait séminaire pour eux, apprendre yo sacré la liberté, sacré le fonctionnement d'un état et sacré la révolution et sacré le combat etc. le civisme. Ça ici t'es de faire ça, oui, pas même de même yo. Donc là où est américain bail et CARICOM charge Haïti. C'est humilié la humilié non oui. Bah la sortie na États-Unis. Living dans les Nations Unies, living dans l'OEA, Yalbaï et Canada, Canada remet li encore, et puis où est aujourd'hui Yalbaï CARICOM ni? Donc, où est avec qui telle condescendance que États-Unis yo traité nous aujourd'hui? Donc, ce qui fait que yo pas prendre nous pour rien encore, nous pas aucun, nous pas gen moun. Et comme de fait, politiciens que nous gen là yo tout yo mette yo dans situation pour yo traiter yo comme ça parce que yo pas dû accepter ça. C'est yo qui doit dire non, ça pas possible. Mais ouais, c'est histoire bon, qui pas dans le sens de l'état d'Haïti en particulier, par contre ça Haïti aye, qui fait que yo accepter traîner tête dans la boue. Mais là-dedans, bon bagay là, c'est que même où tout est Ariel fait, c'est où ça a fait tout, a dit qu'il a tombé dans la poubelle de l'histoire. Parce que Américains a fini utiliser, l'a humilié,
Et puis la finale, il va servir avec eux encore. Et ça va arriver là. Vous pensez à bien chance, jouer même privilège avec Ariel pour arriver au petit monde des affaires par rapport avec toute déchirure qui gagne en dedans pays là. On t'a dit tout tissu au fin déchiré et ça qui gagne dans pays là, toute classe, il est pratiquement censé pas exister. Quelle des classes économiques, politiques, sociales, on t'a dit socialement, culturellement, et dans l'histoire, nous avons dit Haïti devait exister. Vous pensez que vous avez joué des privilèges en dedans pays là, dans ça qui gagne là? Non, les moins dit, yo pral konnen même sort avec Ariel. Yo gen doit pas gen t'arrivé et au timon des affaires de l'état Jean Abdia là, non? Yo gen doit pas gen t'arrivé. Yo gen doit arriver tout mais yo pas fait un mois, yo pas fait deux mois. Ça qu'arrivé et puis yo éclaté et puis yo plongé. Tout comme yo cap pas arrivé du tout parce que pas oublier yo ba yo jusque vendredi là pour yo fini faire ça affaire et nommer président conseil là et puis nommer premier ministre là et cetera. Mais j'aime moi il y a tiré ficelle il y a goumé là et code là ca cassé et puis tout nèg tombé sous derrière et puis il fallait ça aller tout faut pas étonner sur ça donc ça y a payé là c'est inintelligence yo et les étrangers américains particulièrement alors qui t'aime dit États-Unis de préférence parce que quand nous disons les Américains, les Haïtiens sont aussi des Américains, des puisque Américains. Nous sommes d'Amérique, n'est-ce pas? Ok. Donc, je préfère dire les États-Unis, ok? Donc, alors, les mêmes pas les États-Unis, c'est pas le peuple, c'est les dirigeants, hein? Ok. Et parce que tout nous dit, peuple américain est un peuple moral, ok? Donc, ou après, bien des sénateurs, des députés, de Mountou, des anciens et ambassadeurs, etc., des anciens officiels, États-Unis qui levaient la voix, qui disent non, c'est pas possible, Haïti va mériter ça. OK? Donc, c'est pas peuple américain, c'est pas États-Unis. Bon, bref. Et c'est qui ça qu'a fait? Là où est au fin, aidé à exécuter Jovenel Moïse. Parce que, t'es gon un côté, t'es gen possibilité pour te composer avec Jovenel, pour te faire un gouvernement, préparer élection, préparer après Jovenel. Yo même à l'élection, t'es ka gagné élection par la privé là dans situation ça non? Mais comme c'est pouvoir, yo te blesé pour nommer Jovenel, yo pas voulu faire rien, c'est là où il a crasé, bouler le pays, a détruit affaire monde, voler affaire monde et mais qu'on a yo exécuté Jovenel. Mais quand il y a là, il y a exécuté pendant que vous pensez qu'il va le pouvoir, eh bien, ouais, il a commencé à faire un accord, il y a un accord peine, et accord ceci, accord cela, il a préparé pour le pouvoir, eh bien, ouais, qui ça, américain fait, il dit Ariel fait gouvernement. Ariel fait gouvernement, et puis, il y a même Ariel tombé dans une discussion avec lui, comme Ariel l'a imbécile, il fait gouvernement. Il était supposé rapidement dégager le combat de Jean-Jacques. S'il te voulait soutien en héros national, fait en sorte que Gonchita parle national qui fait, dégager un leadership, éclairer et puis faire élection et puis qu'on y a le remettre pouvoir. Mais comme il prend le bout du pouvoir. Professeur, est-ce que vous pensez le rapport mettre à Esclavelin t'a permettre à Ariel Henry de prendre une telle décision, sans doute qui t'a en faveur de la République? Eh bien, parfois, faut faire de courir parfois. Nous, dans l'histoire, nous avons des gens qui utilisent, qui mettent. Mais ils font un coup. Ils allent vers le peuple et puis ils font un coup pour le peuple. Oui? Ça, c'était le monde qui était crédible, qui n'a pas de graines de zano, la caillouffeur, qui n'a pas de pièces de dossier louche, qui était lié avec eux. Songez Ariel Henry Livini, non si Constance côté il y des accusations, des assassinats, il y a un président de la République, elle Livini, la paix. Pour lui pratiquement très flexible. Oui, mais là encore, il y a possibilité pour le sauver tête, oui. Parce que écoutez, et pouvoir pas gon forme sacramental non pour prendre pouvoir. Et Machiavel dit que tous les moyens sont bons. Ou quand prend pouvoir n'importe qui genre, oui. C'est qui sont fait à pouvoir Mando. Donc c'est la fin qui justifie les moyens. Et américain lui-même tout. La loi prend route la loi. Les papes campent en face, non? Non! Les papes campent en face. Ok. Au contraire, les d'accord pour le gagner en face, les interlocuteurs valables. Américains, pas de problème, ça. Ok? Lors de discuter avec elle, de pour râler le côté légal de l'affaire, les plier, oui. Ok. Donc, c'est eux-mêmes qui pour connaître qui ont fait jeu.
et li fait tout côté même en République dominicaine oui mais quand même li joine deux monde quand même qui dit bon pas de problème non on a négocié avec vous mais bah n'a pas intérêt mais cependant et quand t'as intérêt peuple là nous pas capable nous pas capable transiger sur lui l'accepter ça oui Ariel t'es qu'a fait ça mais li pas fait ça alors m'a parle de l'autre monde qui t'en face qui jodi a ou est qui rentre dans faire conseil step qui besoin pouvoir si tu t'es fait gouvernement avec Ariel en l'an 2021 et yo te quitté parler à vide et puis yo te fait gouvernement puisque Ariel dit c'est conseil ministre quand même et puis yo te rentré yo te majoritaire dans conseil des ministres sous 18 ministres on dit yo te prend 10 yo te prend 11 et mais yo te cap virer bah là dans Ariel bi. Mais dans intransigeance dans inintelligence politique yo et diplomatique yo yo pas comprendre les jeux diplomatiques yo pas comprendre les théories et des enjeux et puis yo rete sous quadrette donc alors que américain te dit yo dégager au faire gouvernement Jean Lyéa yo pas quitter moun entrer dans palais national pas avant les élections mais yo oublié gon cadavre chef d'état qui sous bras et américain hein, et eux même donc il pas pral courir qui était là pour gon l'autre bagaille pour échapper c'est yo te doit gain intelligence pour te faire yo pas faire je dis encore ça qu'a payé américain fait Ariel payer imbécilité ignorance li mais pral faire même moun ça au payer imbécilité ignorance tout oui parce qu'il pas pardonner pour ça non parce que pas faire gouvernement avec Ariel. Et c'est ça qu'il faut le mettre dans le zin, le mettre dans le goumé. Parce que l'Américain, quand la sociologie haïtienne n'a pas ou bien même j'avais, il connaît les gens, il ne pas jamais entendre. Donc ce qui fait qu'elle l'a gagné dans le goumé, pendant qu'elle a préparé un plan B. Donc ce qui fait qu'elle peut le mettre tout, une fois qu'elle finit pour un plan B, là, les gens, ni groupe, ni les gens, ils ont presque pas la parole encore. Parce que yo échoué, sou échoué là, c'est fini pour vous. Ça veut dire là, professeur Islam Raymond, Jean m'a pensé comprendre, Ezemi m'a pensé comprendre là, et question conseil ça, li kaba même qui est en même rive dans la phase de concrétisation, li ka qui est en crasse depuis dans la montée, hein? Et puis, on dit, je veux dire, Ethan, et comment, et gouvernement américain lui-même déjà un plan pour le préparer et plan pour l'exécuter. Oui, yo déjà dit ça. Yo lancé yo du grand plan B. Oui. Yo le si plan A ça a pas marché, yo grand plan B. Mm-hmm. Et c'est pour de temps en temps yo ba yo des ultimatum, parfois yo ba 48 heures et yo ba 72 heures. Bonjour dia yo ba jusqu'à vendredi et saint. Bon, peut-être m'pa connait si yo ta une petite lumière et qui saint yo ta ka prier, ta ka permettre que Allô? Avec professeur Islam Raymond. Samedi doit et yo ta capable nous. Je suis là oui. Non madame, mais avancer, des petites coupures, mais avancer. Allô? Ou tes petites coupures professeur, mais avancer. Allô allô? Professeur Islam Raymond, ou avec nous? Désir, n'avait tourné avec professeur Islam Raymond. Alors professeur Islam Raymond, oui. C'est nous habitué à parler avec la cala déjà, mais c'est nous est que professeur a fait un râler pour montrer que ça n'a pas vivre là, ça n'a pas connu là. C'est pas moi qui les vont bon matin que nous on a vivre là. C'est pas moi bon matin. L'histoire c'était toute une histoire pour montrer que c'est une situation que nous avons vécu bien des temps et mais qui côté le sorti et mais qui est-ce qui créait cette situation ça pour nous à travers pays. Et nous qu'a dit clairement. Moi-même, moi t'ai déjà dit ça. Entre Moun Samuel Ayo, qui entre en question conseil présidentiel ça, moi pas espéré en rien, m'pas attendre en rien pour qu'il s'en batte en rien, parce que c'est même Moun Sayo qui c'est de responsable de crise ça. Est-ce qu'on peut comprendre que, professeur Islam, moi ben nous là. Allô? Professeur Raymond, problème de communication. Moi passer là. Et où est-ce que va bien? Je suis là, je suis là. Où se voit bien? 5 sur 5. Mais Kounia, professeur Estom Raymond, c'est comment que Kounia, pour éviter, pour ne pas tomber dans la situation ça,
et pour éviter plan B ça que et on dit yo gain là pour exécuter pour Haïti hein, pour ne pas arriver dans cas ça aussi et professeur Islam. Qui s'en doit faire comme acteur politique, ben qui était sous scène, non, qui était conséquent, qui était cohérent, acteur tio, et qui ça la grande majorité, qui sa population haïtienne doit faire dans ça. Parce que je dis, hein, moun ka péri là, moun ka mouri là, moun ki pa ka jwenn de l'eau, ki pa ka jwenn manger, moun ki besoin al prendre soin santé là, moun ki besoin faire dialyse hôpital général, a boule tibi, c'est nous même qui dans classe favorisée, je dis, hein, avec on dit élite intellectuelle là, avec groupe qui conscient ka payer ça, je dis, hein, et sans oublier on fraîche dans la diaspora. Qui est-ce que tu as fait concrètement et pour ne pas tomber dans ça, professeur Islam? Et malheureusement, l'institution que tu es doué là, et qui peut te corriger des rives, anarchique, il n'y a pas de casé. Et on a pris le côté, c'est l'armée, c'est les forces armées d'Haïti. Je vous dis, on a gagné une armée sans militaire. Si nous avons même un bon sergent dans l'armée, pour l'homme d'intérêt aujourd'hui, et on songe en 1988, et sergent Joseph Hébreu, qui était renversé et Henri Nafi, et là, cherché Prosper Avril, installé comme chef de l'État. Donc, je dis là, c'est seul ça, oui, c'est l'armée comme institution gardienne de la souveraineté nationale, gardienne du drapeau, gardienne du territoire, gardienne de la révolution d'Haïti. Les gonds dérivent ou entrent dans l'anarchie, et même deux prennent charge. C'est seulement ça que t'as sauvé ou. Mais le fait que ou pas gagné et ou gon l'armée sans militaire là-dedans, eh bien, nous n'en sommes. Donc, si t'as gagné de groupe militaire qui l'a et qui t'a dérive ça, et nous sommes dans une situation de non-état, pouvoir dans la rue, eh bien, t'as ramassé pouvoir et puis, pour retourner à la normalité des choses, à la loi. Mm-hmm. Bon. Si nous pas gagne ça, nous pas faire ça. Je dis là, et peuple haïtien aux abois, tout le monde a couru, il a cherché une terre d'asile, il a cherché un côté pour y aller, il a évacué le territoire avec gang, qui a tué, qui a boulé, qui a crasé. Même pharmacie a crasé, l'hôpital a brûlé, pillé l'hôpital. Je dis, on ne pas gagne droit même malade. Même mourir, on ne gagne droit mourir, parce que c'est cette entreprise funèbre. En bas la ville, oui, oui. Sept entreprises funèbres. Donc, cela veut dire que même si on moun d'amour, yon cadavre là, ou pas gagne une entreprise qu'on carré le vin prenne. Donc, maintenant, la situation que nous y est, je dis là, marché ou pas gagne marché, ni supermarché yo, ni marché public yo, côté peuple là qu'on a le ravitaillé. Pas gagne marché, pas gagne manger. Donc, ou gagne plus que 6 millions moun qui dans la faim. Plus de 6 millions moun. Donc, cela veut dire que nous avons une situation chaotique. Donc, c'est pour ça que nous faisons appel jusqu'à présent à même Mounsa Yo, qui nous a fait groupe, qui nous a fait et conseil présidentiel, voyez bail, et Mounkaï comme Capri les têtes, yo, éminente personnalité sous Haïti, son bail grave. Nous disons, ressaisis yo, gombagay yo, qu'a fait toujours. Comme gagner une quantité d'organisations et de personnalités qui pas dans logique ça qui dit que de jour en jour la monter c'est vers la cour de cassation pour aller puis chercher un juge dans la cour de cassation qui est bien nommé un bien kounia qui pour venir jouer rôle chef de l'État donc comme un pouvoir neutre qui pour venir rétablir question 1 même si vous t'a gagne doit prendre 9 moun ça yo mettez à et mais transformer comme 9 conseillers d'État ou bien accompagner juste ça pas de problème et bien qu'on y a là qui pour remettre la pendule à l'heure c'est ça pour nous faire oui et c'est pour ça qu'on bon groupe qui écrit et qui sonne et bah ça capoter l'en pile mon apporter bah ça pour que c'est là pour aller et il y a des groupes même qui étant écrit américain qui des gouvernements américains des d'État, qui écrit Nations Unies, qui écrit l'OEA, qui écrit même quand il comme tout, il va mener une question comme sous-traitant, et même pour dire, halte là, non, plaisanterie ça, on allait vers la Cour de cassation. Donc, de plus en plus, on pile voir, puis élevé, que c'est en Haïti, que c'est en diaspora, et un peu partout, que c'est en France,
dans tout état yo que c'est Canada pour se vers là yo aller pour au moins pour commencer à rapatrier dignité de peuple nous. Donc pour une bonne approche institutionnelle. Professeur Raymond, vous pensez CARICOM département d'état que nous fait quoi nous adresser pour aller directement plus près constitution dans la cour de cassation même que vous avez servi avec ensemble des neuf monde ça aussi vous avez servi avec eux quand même. Et non, en Haïti, comme pas gagné gouverneur, nous avons gardé comme délégué départemental pour représenter, c'est dans le gouvernement que vous voulez quand même. Vous pensez qu'il y a peut-être la raison et dans la place que vous avez, vous pensez que le département d'État et CARICOM cap joué un rôle intermédiaire pour le département d'État. Vous pensez qu'il y a senti satisfait assez pour que je vienne chercher avec mon sens, c'est pas dans le palais national que vous avez. Surtout nous, nous avons qui fait des exigences. Même que l'élection pour faire dans le temps, pour choisir un cap ville président, vous avez dû installer le conseil là avant. Tellement apprécié. Alors, ça, vous n'avez pas oublié, ça, vous n'avez pas songé, c'est que mon cap président, ce n'est pas président d'Haïti la pied, ce n'est pas président de la République la pied, c'est président conseil à la pied. C'est le conseil qui joue le rôle. Et donc, tous les sept membres du Conseil seront les présidents, les coprésidents. Donc, tout le monde a le même privilège, si c'est ça. Et puis, qui cohérence a gagné dans le cadre réglementaire? Il y a un bon problème déjà. Même là, tu as fini de jouer un président Conseil là. Mode de fonctionnement, yo. Mode de fonctionnement, yo. Pas grand pile problème là-dedans, oui. Donc c'est pour ça que nous demandons et camper plaisanterien, et puis pour nous tourner vers la région. Pas oublier, quitter les CARICOM. CARICOM pas travailler pour tête, c'est un sous-traitant qui est lié. Et c'est Américain et Kabaye tout l'autre. C'est le chef là. Et si quelqu'un masse critique, tout le monde sait qui dit que c'est ça que vous voulez. Il ne va pas le camper en face ça, non? Il n'est pas vrai, non? Parfois, il y a des gens plus que ça, il n'y a pas de gain, oui. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'aime pas parler avec vous, tous les diplomates. Je ne sais pas si ça, il y a dit, c'est vrai, non? Non. C'est un problème d'interlocuteur, problème d'interface. C'est les gens qui ne font pas bon parce qu'ils sont trop fragiles. Avec ces problèmes techniques que vous avez, vous avez dirigé, vous avez sénateur, vous avez ministre, vous avez gouverneur, vous avez côté, vous avez des problèmes, vous avez des techniques que vous avez pour vous. Donc, qui fait là, vous avez pas qu'à garder étrangers en face. Ils n'ont pas la capacité de regarder le soleil en face. C'est ça le problème. Mais si vous avez un groupe monde qui dit américain, c'est là pour aller, vous pouvez aller là, oui. Okay. Regardez la configuration, ah ouais, professeur. Regardez la configuration et bon, c'est vrai, nous-mêmes à travers le mouvement, on a dit Haïti debout, mouvement pas nous, nous dans la cour cassation, mais quand même, professeur, regardez la configuration. Alors, citoyen, Debout citoyen, merci. Regardez la configuration et conseil présidentiel, ça, et qu'a parlé à la configuration, moun qui l'a donné, ça, le secteur représenté. Ou ça, qui ça, professeur? Parce que tout l'ensemble de moun, qui ça représenté, qui représenté, c'est des anciens gouverneurs, anciens sénateurs, c'est des anciennes directrices, c'était deux moun qui étaient dans AC, étaient dans Ariel, et qui représentaient, ça qui représentait des partis politiques, ça qui représentait des regroupements conjoncturels dans ça qui étaient mettés campés là, et vous dites tout qui ça, regardez, soit acteur bien, ensemble de ça représenté. Bon, c'est pour ça que m'taka dit debout citoyen lui-même t'est rentré dans vaste campagne et prend bâton pèlerinage, li m'a rejoint tous les acteurs tout secteur yo. Puis était capable de faire un forum entre eux-mêmes, un forum des haïtiens ou bien un symposium, yo carré n'importe qui ça voulait. Côté que puis était chita entre eux comme c'est eux-mêmes qui protagonistes de crise là. Ce sont les acteurs de crise. Pas oublier, c'est depuis 38 ans, oui, c'est même mon yo là. Donc, c'est eux qui créent la crise là. Donc, qui fait que, comme c'est eux-mêmes encore acteurs, et où c'est eux-mêmes et les États-Unis utilisent toujours. Donc, gardez avec eux, si vous tout êtes ensemble, au moins, vous êtes dégagé une piste de solution, puis vous êtes joignant
un consensus suffisant entre eux, et bien puis être capable et précharger l'État et puis faire transition. Donc mais malheureusement il y a pas tant de raisons et il y a pas quoi dans tête yo et il y a pas quoi yo capable. Donc comme c'est étranger à qui pour faire pour yo, donc ce sont des mineurs et yo aller dans voie ça yo prend et question de et sept monde pas assez pas là. Bon, mais forme de bon citoyen lui-même l'a gardé yo et l'a tant gardé qui ça fait qui ça yo pral fait comprendre qui ça yo pral fait. Donc souhaitons que yo ta capable joindre nous entente entre yo et que yo connaît dans bateau ça là bateau a presque coulé avec yo et puis ba yo pour faire ses devoirs de maison que mettre la maille au fer et puisque ils se comportent comme des esclaves et puis pour ta joindre et passage mettez gouvernement mettez ça mettez à pour qu'on devrait aller. Et si vous avez fait appel avec nous même comme des bons citoyens, comme si même j'ai une crise ça là, et vous avez demandé comme si pour nous être capable de faire part de acteurs dans la crise ça pour trouver une solution là-dedans. Nous prêts pour nous faire pour nous apporter support par nous, bien que si vous avez dit vous n'avez pas allé dans la cour de cassation et professeur Islam. Non, si vous arrivez, je vais nous entendre entre vous, puisque c'est vous-même qui acte la crise là. Ok, gardez pour tout groupement qui vous est mounio, c'est vous qui acte la crise là. C'est forgeur crise là, c'est faiseur crise là, yo c'est petite crise là, yo c'est maître crise là. Donc si yo même yo capable venir nous entendre entre yo, yo fait bah là, yo fini conseil yo a, yo bay tête yo un cadre statutaire, un cadre organisationnel, un cadre administratif etc. permettre que yo capable et sauver tête yo, eh ben yo font un gouvernement. Eh ben écoutez, deux bons citoyens qui ont préparé un texte là. Et pour vous et bah, dès que vous finissez d'aller, oui. Que ça soit le conseil là, et le président du conseil et ses membres, que ça soit le chef de gouvernement qui parle gagnant. Non, c'est garder avec yo qui Jean et nous capable sauver période intérimaire là. Parce que le plus gros problème majeur pays a là, c'est problème c'est crise et insécurité, pas vrai? Oh, c'est insécurité. Ça c'est sûr. Eh bien d'accord. Eh bien donc, nous faisons position qui gens sont capables de monter en tank tank, hein? Et en tank tank et stratégique et opérationnel pour résoudre le problème insécurité. Donc, le tank tank là, c'est d'abord créer un conseil et de sécurité et